la création d'une narration s'accompagne généralement d'enregistrements ratés. Elsa et la Ruse ont décidé de vous proposer l'écoute de leurs pires échecs sonores. N'ayez pas peur d'en rire. Nous n'avons pas écouté un tremblé. On est dans le popo de sauterelle. Et nous ne les avons certainement pas rencontrés en face à face. Face à face, en face à face, je ne sais pas. Et c'est la quatrième phrase. Hein. Ça promet. Il y a d'innommables... Non, d'innombrables, pas d'innommables. Après, ancienne, délabrée, c'est la même chose en fait. Il existe depuis longtemps une théorie selon laquelle le son... C'est pas vrai, ça fait deux fois. Il existe depuis longtemps une théorie selon laquelle le son joue un rôle beaucoup plus important dans l'univers que de simples visuels... Je vais pas y arriver, ça fait trois fois, mais c'est pas vrai. Aidez-moi. On peut faire des choses qui semblent impossibles. Qui semblent impossibles, ma fille, c'est magnifique, mais le bêtisier fait la même taille que la piste bêtisier fait la même taille que la piste normale. Rien ne s'est vraiment passé, du moins visuellement. Visuellement... Elle s'est alors tournée les uns vers les autres. Hein? Ah bah non, j'ai sauté une ligne. Nous nous sommes alors tournés les uns vers les autres. Pardon. Nous nous sommes alors tournés les deux. Il ne faut plus que je fasse des trucs comme ça, après j'y arrive. Notre programme est... Mon chef m'a d'abord interrogé sur ce qu'il venait de voir sur son écran. Voilà. 2 minutes 30 de bêtisier pour 5 minutes de vidéo, ça fait mal quoi. Mon chef m'a d'abord interrogé sur ce qu'il venait de voir. Purée, c'est pas vrai, j'y arrive plus. Oh non, c'est pas vrai, pas maintenant. Mon chef m'a d'abord interrogé sur ce qu'il... c'est pas vrai. Oh, on reprend sérieusement. Bon, mon chef... non. Ce qu'il a vu, c'est une poignée d'employés qui se tenaient en cercle et hurlaient purée. Le texte n'aide pas à vous dire. C'est pas vrai, j'y arrive plus. Que nous étions restés en cercle et que nous avions tous raconté... Tous raconté la même histoire, mais c'est pas vrai, je n'y arrive plus. Point. Ce qu'ils savaient maintenant, c'est que nous savions... Mais pourquoi je n'y arrive plus? Mais pourquoi? L'entretien semblait... Mais pourquoi je n'arrive plus? Ce n'est pas vrai, mais je craque. Aidez-moi. L'entretien c'est pas vrai, mais... La prochaine publication sur la chaîne sera une cagnotte de la Ruse pour me payer des vacances. Je me suis retournée vers l'homme qui se faisait passer pour... Non, il se faisait pas passer pour l'entretien. Étais-je folle si je croyais que ce que ce paquet me disait, la fougeuse dans la poitrine? Je pouvais ressentir son explication, son excitation. Je me suis redressée brusquement. Elle a dit au bout du couloir. Qui ça? J'en sais rien, en fait, c'est pas marqué. Vu la façon dont ils nous ont sortis de là, nous n'avons même pas eu le temps de teindre. Chloé s'occupera des patients et Perle le restera avec toi. Je doutais que la bête soit un peu attachée. J'avais mis dans mon sac... probablement l'une des raisons pour lesquelles elle... C'est probablement car la Parks dirigeait l'un des services les plus controversés de l'industrie des monstres. Elle dirigeait la soi-disant collection d'organes. À l'origine, cette organisation a été créée pour fournir de la nourriture durable et éthique aux monstres qui se nourrissent. Je ne l'avais pas encore rencontré à ce stade de mon récit, mais avec du recul, je pense que Mosaf s'arrêtait sexe en leur demandant de donner volontairement leurs organes. Mais la COE l'a commercialisée. Elle est restée silencieuse après son admission jusqu'à ce que nous arrêtions. J'ai mis de côté ma panarbatadoriada. Et après avoir croisé plus de chats chauves que je n'en avais jamais vu au même endroit, je me souviens m'être approché de lui à quelques centimètres, et je n'aurais toujours pas dû...
j'ai bu une tasse de thé et j'ai câliné ma fille endormie sous le regard désapprobateur des deux autres, qui s'est transformé en un gémissement et en un Vivienne s'est levée et a lentement soulevé. Je vais arriver. Je n'avais pas envie de me faire d'autres ennemis ou de mettre mon amie et ma babysitter en danger plus qu'elle ne l'était déjà. Après que Vivienne se soit retirée dans son lit et que Chloé ait commencé à ronfler sur le canapé en face de... Elle est longue cette phrase. En me redressant pour regarder la nue bien sûr. Elle ne m'a pas laissé une chance de m'exprimer et j'aurai à mon tour de parole.